tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc là on se retrouve avec ma tête dégueulasse, mes cheveux hyper gras dégueulasses. J'essaie d'espacer mes shampoings un petit peu. Là je les ai pas lavés pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours, c'est déjà un exploit. Je vous ai pas raconté ce matin, oh là là ce qui s'est passé, il y avait plus d'électricité, plus rien, plus d'ascenseur. Je suis au dernier étage de mon immeuble, j'ai pas d'ascenseur. Et mon immeuble c'est pas un petit immeuble de 3 étages, hein, vraiment. Donc j'ai dû descendre dans l'escalier à pied, j'ai dû remonter à pied parce que je devais sortir Birdie. Ensuite je commence à péter un plomb parce que là mon Mac n'avait plus de batterie et moi il fallait que je bosse sur mes cours aujourd'hui, j'avais plus d'électricité, je me dis merde comment je vais faire pour charger mon ordi. Je me voyais déjà à la biblio et tout, genre oh là là, non mais une catastrophe. Et c'est là que je me dis mais je suis rien sans électricité moi, enfin je ne peux pas faire sans électricité, genre ma vie elle est avec de l'électricité et sans ça je suis perdue. Vraiment, pourtant à l'époque on vivait bien sans électricité, mais moi je peux pas vivre sans électricité. J'ai bien vu que c'était un problème majeur dans ma vie. Donc j'appelle énergie, machin et tout. Ils disent que dans toute ma ville il y a une panne d'électricité, que ça va se régler rapidement, etc. Alors je dis ok. Et là je remonte avec Birdie à pied. J'entends quoi? L'ascenseur qui fonctionne. Oh putain de merde. Je suis arrivée au 8e étage, là il me reste encore des étages à monter et je vois l'ascenseur qui fonctionne, je fais ah. Je dis au moins Birdie on a fait du sport, Birdie elle était au bout de sa vie, elle en pouvait plus parce que c'est des grandes marches tu vois. Alors moi je la portais un petit peu mais elle est lourde Birdie, donc dans l'escalier c'est une galère pas possible. Donc je la remettais, elle remontait quelques marches et tout, donc ça lui a fait son petit sport. Elle était un peu fatiguée, mais bon ça se comprend, en même temps un petit chien monter autant de marches. Ah bah oui, c'était dur hein, ce matin. Donc là aujourd'hui je dois aller récupérer une commande Camailleux parce qu'elle est arrivée en magasin. J'ai fait une belle commande de chez Camailleux, je suis trop contente. Je pense que vous aurez peut-être déjà vu mon haul. Peut-être, je vous le mettrai dans le petit si c'est pas le cas, ou en écran de fin. Mon haul avec les vêtements, tout ça, les choses que j'ai achetées à AliExpress. Et ensuite je dois aller à Belle Épine me faire rembourser une veste. C'est les derniers jours là pour me faire rembourser, donc je vais vite me dépêcher. Donc je dois aller à Belle Épine, donc je vais faire un petit tour dans les petits magasins, je vais faire un petit vlog shopping. Je sais que vous aimez bien ça, que c'est assez cool et tout. Donc je vais aller regarder à City Déco s'ils font toujours les remises des Yankee Candle à moins 50. Si c'est le cas, j'aimerais bien m'en prendre une de Noël que j'ai beaucoup aimée, une petite parce que j'en ai beaucoup là et j'essaie de les vider. Mais ouais, il y en avait des pas mal qui m'ont plu. Je prévois de déménager comme vous le savez et je veux avoir des idées pour refaire une cuisine à petit prix, faire des rangements à petit prix, etc. Je veux vraiment avoir des idées, je prends en photo en fait et après je regarde. Donc je filmerai ça avec mon téléphone. Donc voilà le petit programme. Ah oui, je suis allée au marché. Oui, voilà, je vous ai pas dit, je suis allée au marché. Alors, ça m'a fait trop rire. Il me fait trop rire le mec du marché, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu, j'avais vu ses collègues. Mais le mec du marché, il est tellement drôle, mais tellement, tellement drôle. Donc j'ai acheté des petits trucs, voilà, pour renflouer un peu au niveau des fruits surtout, parce que les légumes, j'en ai beaucoup. Et donc voilà ce que j'ai acheté. Alors il m'a donné ça, je sais pas trop ce que c'est à vrai dire, il m'a dit que ça se mangeait comme des épinards, donc je sais pas trop ce que c'est, dites-moi en commentaire ce que c'est, tout genre aucune idée, je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai pris des petites poires, donc j'en ai pris 4, j'ai pris des bananes, j'ai pris des litchis, c'est 4,99€ le kilo, c'est assez cher mais bon je vais me faire un petit plaisir. J'ai pris ensuite des clémentines, donc j'en ai pris beaucoup parce que je fais beaucoup de salade de fruits le matin et c'est vrai que les clémentines ça réveille pas mal. Et en fait là on est le 6 février et il m'a dit ouais qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? Je lui dis oh rien de spécial et tout, il me fait t'as prévu un cadeau? Je fais ouais enfin c'est un petit cadeau que j'ai prévu tu vois. Et là il me montre ça. J'étais morte de rire, j'étais vraiment morte de rire. Il m'a dit tiens c'est pour toi je te le donne. Donc il m'a offert des framboises avec une boîte en forme de cœur. Je trouve ça trop chou. C'est trop mignon. Trop mignon. C'était trop gentil de sa part vraiment. Je l'adore ce mec. Hein. Franchement le mec du marché il est tellement drôle. C'est un petit vieux trop mignon et tout. Enfin, il est vraiment super gentil et vraiment ça m'a fait trop rire qu'il est... Enfin forme de cœur tu sais pour la... Enfin ouais ça m'a fait rire. Voilà en gros pour ce que j'ai acheté. J'en ai pour 10. Et voilà je vais essayer de me préparer un petit peu à ressembler un petit peu à quelque chose. Peut-être mettre du shampoing sec. Parce que là c'est vraiment gras. C'est pas très joli. Donc voilà c'est parti. Voilà j'ai mis du rouge à lèvres qui vient de chez Huda Beauty je crois. J'ai fait mes sourcils, j'avais mis du mascara la dernière fois donc j'en ai pas remis. Et voilà j'ai mis de l'highlighter.
ça brille un petit peu. Donc je vais à la Belle Épine, c'est bon. Je vais chercher mon colis au retour. Je vais peut-être voir pour les Picsou. Parce que je pense qu'il y a des nouveaux qui sont sortis. Donc j'ai pas le 216. C'est vrai que je regarde. Donc bah, on se retrouve juste après, enfin dans les vidéos avec mon téléphone. C'est parti. De rentrer. Oh là, la lumière est vraiment dégueulasse. J'ai fermé un peu le volet parce qu'il y avait plein de soleil. Donc j'ai fait pas mal de petits achats, enfin des petits achats. J'ai acheté pour la Saint-Valentin, j'ai acheté pour un anniversaire aussi des petits trucs.
Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai récupéré ma commande Camailleux. Alors déjà j'arrive, j'étais quasiment chez moi. Je me dis merde, j'ai oublié la commande Camailleux. Allez, c'est parti. On reprend le tram. Donc j'ai repris le tram. Je suis allée chercher ma commande. J'ai trouvé vraiment pas mal de choses à Jiffy par contre. Très 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 contente. Ils ont fait une très belle collection de paniers. Oh, il y avait un grand panier, je vous l'ai montré là. Oh, oh mon dieu, il était vraiment très très beau. Et j'ai vu un petit panier pour Chouquette et Bichette. Alors je pense que Chouquette c'est un peu petit le panier. Vous savez le panier gris. Mais pour Bichette, je pense qu'il kifferait. Donc voilà, hein, un ticket, mon amour. Ok, mon amour, ok, mon amour, oui. Avec mon t-shirt pingouin là. Je suis vraiment en mode schlag aujourd'hui. J'ai la flemme de m'habiller. Bon, c'est pas très ouf au niveau de la lumière, je m'en excuse, mais le soleil est en train de se coucher. Enfin, c'est un peu bizarre, je vous avoue. Je sais pas trop comment vous mettre. Je pense que je vais rester comme ça. Bref, j'ai acheté à Cultura. Ça, c'est un cadeau de Saint-Valentin pour mon chéri. C'est les jokes de papa. Je savais pas qu'ils avaient fait ça en jeu comme ça. Je les voyais souvent sur internet, sur YouTube. Moi, je sais pas, on se tape des barres. Et c'était un petit clin d'œil pour lui. Donc, ça coûte 20 euros. C'est un jeu en fait, si vous connaissez pas, c'est des blagues à la con, vraiment, des blagues nulles qui nous font tous rire, genre la lampe torche, le PQ aussi, enfin tu vois, enfin des jeux de mots, des choses comme ça qui sont assez drôles, et le but c'est de pas rire à ces blagues. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire ça avec mon copain, je pense que ça va être hyper drôle. Et ensuite à Jiffy, j'ai acheté ça, c'est des patins pour les meubles. J'en ai besoin parce que là, il y a plein de patins qui sont partis. Donc ça, c'est vraiment hyper utile. Donc vous avez des ronds, des carrés, des gros, etc. pour 2,50€ dans une petite boîte comme ça, c'est pratique. Donc voilà, j'ai pris ça à Jiffy. J'ai pris aussi à Jiffy un énorme vase, il est trop trop beau, j'ai trop craqué dessus. Il y a un monsieur aussi qui a craqué dessus, cherchait un vase pour le bouquet qu'il allait offrir à sa femme. Et moi j'avais pris ça, il a dit oh, j'adore et tout, est-ce qu'il y en a un deuxième comme ça. J'ai dit bah oui oui, tenez, il y en a un autre et tout. Donc il était trop content, il avait trouvé son vase. Il a fait tout Jiffy pour trouver un vase et moi je l'en trouve, hein, donc j'étais contente. En gros c'est un vase que tu... avec un socle noir comme ça. Tu mets ça là, après tu mets ton bouquet. J'aime bien cet effet de transparence et je trouve que ça va bien aller dans l'appartement. Parce que j'avais plus de vase, j'avais cassé tous mes vases dernière fois. Mes pieds étaient coupés de partout à cause du vase. Et donc bah comme là en fait on n'est pas encore à Saint-Valentin, on est le 6 février. Et bien je me dis peut-être que la Saint-Valentin j'aurai un petit bouquet, donc je pourrais mettre mon bouquet dans ce vase. Donc celui-ci il a coûté 15€, donc c'est quand même assez cher hein, pour un vase. Mais je le trouvais beau et j'espère qu'il va pas être cassé d'ici là quoi. Et ensuite je suis allée à City Déco, j'ai acheté plein de petits trucs comme ça là, des tartelettes, parce que au niveau des éditions de Noël ils font moins 50%, donc c'est très avantageux. Donc j'ai pris, il y a des trucs pas pour moi, des trucs pour des anniversaires, donc j'ai pris All is Bright, ça c'est mon préféré. Ils sont divinement bons, j'en ai pris deux comme ça. Donc en gros c'était 2,65€, c'était moins 50, donc 1,32€. Mais en gros, je sais pas si c'est chelou, enfin je sais pas, 2, 4, 6, 8. Pour les 8, j'ai payé 9€. Donc voilà, c'est pas si cher que ça, ça fait 1€, 1,10€ la tartelette et ça dure très 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 longtemps. Moi ça a duré, plus d'un mois alors que j'utilisais tous les jours. En fait, t'as la tartelette. Tu mets dans un soc où t'as un chauffe-plat en dessous, donc ça chauffe. Après, bah, ça déverse le liquide sur tout le truc et ça crée une odeur, etc. Et à partir du moment où il n'y a plus d'odeur, bah, là, tu peux le retirer. Donc voilà, moi j'adore ce genre de tartelette, j'en ai plein, 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 plein. Et là, j'en avais acheté pour la personne en question, pour son anniversaire. Donc j'ai pris aussi Winter Wonder, Merveille d'hiver. Ça sent hyper bon aussi, ça c'est mes deux préférés avec All is Bright. Donc j'ai pris ça en deux fois. J'ai pris aussi Crackling Wood Fire, donc c'est celui-là aussi, c'est mon préféré aussi. Ils sont trop bons, donc ça c'est aussi pour la personne. L'huile de Noël et la magie de Noël, c'est ces deux-là. Ils sentent super bon. Après ils faisaient pas mal de jars, ils faisaient des grandes jars, des petites jars, etc. Mais franchement je préfère des petites tartelettes comme ça pour les éditions que j'ai bien aimées. J'ai déjà plein de jars que je suis en train de terminer. Donc je préfère ce genre de petites choses, je trouve que ça dure pas mal de temps et c'est pas encombrant du tout. Donc voilà, j'ai acheté ça pour 9€. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai fait des petits tours et tout à Sosrengren, c'était magnifique. Ils ont fait des fleurs séchées, je suis pas très fan des fleurs séchées de base, mais des fleurs séchées très colorées. C'est vraiment plein de belles choses dans ce magasin là, c'était oufissime. Ensuite je suis allée à H&M Home. Oh, ah ouais, je vous ai pas raconté. J'avais pris un oreiller 30x50, un coussin pour mettre ma housse de coussin que j'avais acheté la dernière fois. Et c'était 4€ et tout, donc j'avais sous le bras. Et je trouvais plus rien dans le magasin, donc je commence à sortir du magasin, je commence à prendre les escalators
Là, je commence à voir mon bras, je vois qu'il y avait le coussin. Je suis en merde! J'ai oublié de le payer et tout. J'étais en mode putain et tout. Ça a pas sonné, ça m'a pas fait le titre. Il y avait pas d'argent qui m'ont dit hey, stop Elisa. Wow, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis remontée, je suis rentrée dans le H&M, je suis allée à la caisse. Il y avait beaucoup de monde, donc je suis repartie dans le rayon où il y avait l'oreiller, je l'ai remis en place parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais genre, je suis partie au calme. Genre, j'aurais pu continuer, on m'aurait rien dit. Je me suis choquée. Genre. Après je me dis oh là là le karma, le karma, le karma, Lisa reviens vite chez H&M, reviens vite. Mais bref voilà. Et ah j'ai pas fait de tour à la maison du monde. Mais bon j'étais assez chargée et tout, j'avais plein de choses à faire. Donc là il est 17h15, et il faut vraiment que je commence à faire mes TD de microéconomie, ça va me prendre pas mal de temps. Donc je vais faire ça et puis bah voilà. Je pense que ce vlog aura été assez long. Je suis contente parce qu'en ce moment je vous fais pas mal de vidéos. Genre je fais le mercredi midi, le vendredi à 16h30 et le dimanche à midi. Je trouve que c'est pas mal comme rythme. J'en fais 3. Si le vendredi il n'y a pas de vidéo, ce sera que le mercredi et le dimanche. Mais j'essaie de vous en faire plusieurs parce que vous êtes beaucoup à me demander des vidéos. Parce que comme au mois de décembre je faisais beaucoup de vlogmas, ben vous étiez habitué à avoir des vlogs quasiment tous les jours. Vous m'avez dit ouais fais plus de vidéos cette année et tout. Donc j'essaie d'en faire plus cette année pour vous. Moi j'adore ça. Après ça me prend du temps bien évidemment, mais j'ai un peu plus de temps vu que le mardi j'ai pas cours, vu que j'ai plus de droit privé, et le jeudi j'ai pas cours, donc comme ça me permet de vous faire plus de vidéos. Donc bah voilà pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour me dire si ça vous a plu, si vous aimez ce style de vidéo, des vlogs shopping où je vous montre un peu les nouvelles décos que je vois en magasin, etc. Je faisais beaucoup de vlogs action à l'époque où je vous montrais les nouveautés de chez Action, mais j'y vais de moins en moins à Action parce que si j'y vais, je dépense tout. Donc là, j'essaie de garder de l'argent pour le déménagement, pour un futur déménagement si j'arrive à trouver quelque chose. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça sera juste là. Je vous mettrai aussi d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. N'hésitez pas à les regarder. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.